Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur K. L'idée, c'est en fait de faire une réponse amicale à Nicolas Faure sur la fin du complotisme de droite. Et moi, je pense que le problème, ce n'est pas le complotisme de droite, mais le scepticisme de droite. Donc, on va en parler, on va aborder divers sujets, notamment la grande réinitialisation, l'affaire Lola, d'autres sujets de cette sorte. Bonjour Monsieur K. Bonjour Xavier, merci de votre invitation. Non, merci, merci beaucoup. Alors, l'entrevue avec Nicolas Faure s'était terminée, enfin le débat s'était terminé avec l'affaire Lola. Alors, vous, quelle est votre analyse sur l'affaire Lola? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et qu'est-ce que ça nous révèle que ce n'est pas un fait divers comme les autres? Et ce n'est rien, au final, les causes de l'immigration. Ou du moins, ce n'est pas uniquement le problème de l'immigration dans ce cas-là. Bon, évidemment, l'immigration joue un rôle central dans l'affaire Lola, puisque cette femme qui était sous l'effet d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas dû se trouver en France, pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle était expulsée administrativement. On lui avait demandé, on avait exigé d'elle qu'elle quitte le territoire français. Ensuite, parce que de toute façon, de manière générale, dans une situation normale, si vous prenez une cité grecque ou même une nation européenne au XIXe siècle, les étrangers sans titre ne peuvent pas se maintenir sur le territoire. Donc, mais c'est vrai, les Français se sont habitués à des anomalies, même à une anormalité qui consiste à avoir des millions d'étrangers sans titre sur leur sol. On a bien vu d'ailleurs, parce qu'il y a un lien logique avec l'affaire aussi de Fournas, ce député Rassemblement national, qui a fait simplement un rappel à la loi en disant qu'il retourne en Afrique, parlant du bateau. De migrants, de clandestins qui avaient été débarqués à Toulon. Mais un simple rappel à la loi, c'est-à-dire l'impossibilité pour un clandestin de se maintenir sur le territoire national français sans titre, l'a conduit à recevoir la sanction la plus importante qu'il est possible de recevoir au Parlement, c'est-à-dire une suspension de 15 jours, enfin une suspension de ses émoluments pendant 2 mois et une suspension de tous travaux parlementaires pendant 1 semaine ou 15 jours. C'est une affaire sérieuse. Je veux dire, toute la classe politique, y compris la droite d'affaires, la pseudo-droite d'affaires, évidemment, a embrayé sur la tyrannie idéologique de la gauche pour le donner raison aux instances parlementaires. Donc il y a bien un lien entre ces deux affaires. L'immigration occupe une place centrale dans l'affaire Lola. Cependant, il y a des aspects secondaires dans la couverture médiatique qui, à mon avis, devraient retenir notre attention. Premier aspect, c'est l'aspect occultiste du meurtre, c'est-à-dire que on a vu qu'il y avait des inscriptions sur le corps de la petite fille. On a parlé d'un prélèvement de sang que la meurtrière et la tortionnaire auraient consommé pour partie. Or, là, ça nous renvoie évidemment à des choses dont on ne peut pas librement parler sur les médias, même alternatifs, que ce qu'est le sacrifice rituel et la consommation de sang chargé d'adrénaline. Avec cet élément qu'on appelle l'adrénochrome, qui est, selon toute vraisemblance, ce que le Moyen-Âge appelait la fontaine de jouvence. Et ce qui nous renvoie à des affaires célèbres dans l'histoire de France, comme Barbe Bleue, ou plus connue sous le nom de Gilles de Rais. Gilles de Rais, qui était un compagnon de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, et qui avait une vingtaine de châteaux autour desquels disparaissaient des enfants. Et on a su par la suite, puisqu'il y a eu un long procès, tout ça est consigné, c'est l'époque de Jeanne d'Arc, à l'époque on consigne tout par écrit. Il y a une très belle biographie d'ailleurs de Gilles de Rais, je crois, sous la plume d'un de nos confrères du Figaro, aux éditions Tempus, où toutes ces choses sont racontées. Et il prélevait en fait dans la population avoisinant ses propriétés des enfants pour prélever de l'adrénochrome et obtenir cette fontaine de jouvence. Et en fait, ce savoir est un savoir à la fois très réservé, mais en même temps qui est connu d'une certaine population de gens qui sont assimilés depuis la nuit des temps à la sorcellerie. On parle de sabbat des sorcières, les sorcières portent de grands chapeaux noirs, des cafetans noirs, elles ont des gros nez. Voilà, je laisse vos auditeurs sauter aux conclusions eux-mêmes. Ça a un rapport avec ce qu'on appelle le libelle de sang, qui est, selon le mainstream, une fausse accusation de meurtre rituel en vue de s'emparer de ce sang précieux qui, encore une fois, selon certains écrits occultistes,
renvoie à cette notion de fontaine de jouvence. Et je pense que cette jeune femme se livrait au commerce de cette fontaine de jouvence parce qu'il est connu dans certains milieux, en particulier du showbiz et de la jet set, que cela existe. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les interviews d'actrices, par exemple, chez la présentatrice américaine DeGeneres, qui parle, je crois que c'est une actrice qui jouait dans le film... Sandra Bullock, merci, voilà, absolument. Sandra Bullock parle de ces choses assez ouvertement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a des choses disponibles aussi sur mon canal Telegram, @repere_k. Vous tapez simplement Adrénochrome ou Libelle de sang ou Sacrifice rituel et vous allez voir toute une littérature sur le sujet. Alors, il se trouve qu'il y a en plus un petit saint de l'Église catholique qui est le saint patron, pourrait-on dire, des victimes comme Lola, d'enlèvements, d'abus, de violences, de meurtres, en vue d'objectifs, on va dire, occultes. C'est le petit Simon de Trente, Simonino di Trento, ou Simono di Trento, Simon de Trente. Et ce petit saint a été depuis retiré des autels par l'Église apostate occupée par la maçonnerie, comme d'autres saints. Il y a un saint en Autriche aussi, un petit saint en Autriche, et il y a des dizaines et des centaines de cas documentés, mais il y en a de très documentés comme celui-là. Et Simon de Trente, c'est par excellence, je dirais, la petite victime expiatoire de la, en haine de la foi, parce que ces gens haïssent profondément et le Christ et ses humbles serviteurs que les chrétiens essaient d'être. Donc il y a cet aspect dans l'affaire Lola. Et puis il y a un dernier aspect dont j'ai essayé de parler à Nicolas, mais qu'il a rejeté d'un revers de la main en poussant des cris d'orfraie, comme si j'avais dit une énormité. Il y a l'affaire de M. Bloomberg qui vient proposer des centaines de milliers d'euros, peut-être des millions d'euros, pour créer une fondation qui portera le nom de la petite Lola. Et c'est une façon ignominieuse, en fait, d'acheter le silence des parents, qui ne se rendent probablement pas compte de la nature de l'opération à laquelle ils sont soumis, mais qui consiste en fait à créer cette fondation pour, d'une certaine manière, reprendre la main sur la communication autour de l'affaire Lola. Or, M. Bloomberg est un ami d'Epstein. Epstein, qui était le principal manipulateur d'un immense réseau de chantage au sexe. Alors, comme on n'est plus au 19e siècle, au début du 20e siècle, ça marque les maîtresses et même les aventures homosexuelles ne suffisent plus. Donc maintenant, pour tenir les gens pour des affaires de mœurs, il faut évidemment les compromettre avec des mineurs, avec des enfants, ce qui s'est très largement produit et qui est éminemment documenté dans l'affaire Epstein. Epstein qui en fait a plusieurs volets, mais là je renvoie au travail de l'excellent Xavier Poussard, pour ceux qui veulent approfondir, il y a plusieurs volets, il y a l'aspect Big Tech, donc avec la Silicon Valley qui a été complètement prise en main par le réseau Epstein, il y a évidemment la politique américaine, il y a avec ses extensions en Angleterre, en France, il y a tout le volet français de l'affaire Epstein qui a pour ainsi dire même pas été égratigné par les instances politico-judiciaires françaises, ni par la police, ni par la justice, ni par les hommes politiques. Personne ne s'est emparé de cette affaire en France. C'est le grand continent inexploré de l'affaire Epstein. Et puis, donc après la big tech, la politique, il y a aussi la finance, parce qu'on a eu, on a vu l'affaire FTX, et on voit que tout ça a des connexions. Donc, il n'y a qu'une seule affaire Epstein, mais il y a plusieurs volets qui méritent d'être explorés. Et donc, Monsieur Bloomberg est dans ce réseau Epstein, et il vient au secours de la famille de la petite Lola. C'est vraiment, ça mérite au moins une enquête, puisque Nicolas se pique d'être un journaliste qui veut de l'exactitude et de la rigueur. Je crois que ça mériterait une enquête rigoureuse et dans la bonne humeur. Ce qu'il disait, c'est que justement, c'est trop grand en fait. Et les gens pourraient répondre aussi, mais que le profil de la meurtrière, en tout cas pour l'instant, n'est pas du tout le profil d'une meurtrière standard, si j'ose dire. Elle est totalement occidentalisée. Enfin, je pense que vous avez vu ces TikTok passer à droite à gauche. Oui. Ça n'a rien d'un rituel. En effet, elle a pas le profil ni de la, comment dire, de la clocharde sous le QTF qu'on nous a vendu les tout premières heures, les tout premiers jours. Elle n'a pas non plus un profil d'immigré au sens où ce serait de la pure sorcellerie maghrébine. Faites dans une cave, etc. Non, on voit qu'il y a une connexion vers la haute, vers ce que j'appellerais la jet set, par son côté tiktokeuse et instagrammeuse. Il y a un aspect, en effet, hyper moderne,
En fait, c'est ça la modernité, c'est la rencontre de la barbarie la plus sombre, la plus antique, et de l'hyper-modernité avec le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. C'est une affaire très éloquente, en fait. Hein. Elle dit beaucoup de choses, à notre époque. Et puis, il y a un aspect racial, quand même. Il y a probablement un aspect racial, c'est-à-dire que le fait que cette jeune, petite jeune fille soit la seule de son quartier à être de souche, probablement, d'abord, elle a des traits physiques qui la rendaient intéressante. C'était une petite rouquine, une petite blonde vénitienne. Et vous savez que bon, la rousseur a toujours partie liée dans ces mondes de la superstition, avec la sorcellerie, comme les albinos sont supposés en Afrique noire avoir des pouvoirs magiques. Voilà, on est là-dedans. Alors, pour les personnes qui souhaitent approfondir le sujet, ça pourrait paraître un peu bête hein, comme invitation, mais je les invite à regarder la série True Detective. Vous avez pas mal de symboles qui sont en fait totalement le reflet de la réalité, notamment ce symbole utilisé par le FBI, qui sont notamment utilisés pour tout ce qui est pédocriminalité, ou sinon tout simplement aller écouter Carl Zero sur YouTube. Et puis si vous voulez voir l'extrait de Ellen DeGeneres et Sandra Bullock, vous tapez ça sur YouTube et vous mettez sérum pour la peau, ou quelque chose comme ça, et vous retrouverez la vidéo, enfin il y en a au moins une quinzaine où c'est le même extrait. Alors on va passer sur ce sujet, on va parler maintenant de la grande réinitialisation, donc le programme, le livre de Klaus Schwab, qui n'est en rien quelque chose de complotiste ou autre, c'est un programme, c'est ce qui va nous arriver, c'est l'agenda 2030, c'est le score ESG, j'invite notamment les gens à se renseigner et à regarder dans quelle entreprise ils travaillent, et si leur entreprise respecte ou non le score ESG, puisque vous serez très étonné, parce que nombre d'entreprises respectent du mieux qu'ils peuvent ce score, parce que ça les rend plus attractifs et plus attractifs. Donc tout d'abord, on va parler du premier volet, qui est l'écologie. Alors, Monsieur K a fait une conférence pour Civitas, sur l'écologie verte, et puis en fait, ce premier volet, ce deuxième volet, si j'ose dire, parce que le premier, c'était le C19. Le deuxième volet, c'est cette dictature, en fait, du vert. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, sur le livre en lui-même, Nicolas Faure fait la remarque, il dit, bah, oui, ce sont des gens qui écrivent les livres, et voilà. Mais non, je veux dire, ce sont des gens qui, vous prenez l'album photo de Klaus Schwab, il est toujours entouré des décideurs, que ce soit le président Obama, des agents d'influence très importants comme la petite Greta Thunberg, ça va être des présidents français comme Emmanuel Macron ou François Hollande. Je veux dire, Klaus Schwab a un carnet d'adresses extrêmement prestigieux et influent. Donc non, ce n'est pas juste un monsieur qui écrit un livre dans son coin. Ensuite, ça n'a rien de conspirationniste. Cela n'a rien de conspirationniste. Il suffit de se référer à la conférence qu'a donnée le père de Cacré lors de cette même université d'été de Civitas. Il passe en revue en détail les propositions de Klaus Schwab. D'abord, c'est un livre qui est public, donc ça n'a rien de conspiration. Ou alors, c'est sur Amazon. Intérieure. Oui, c'est en vente libre. Vous pouvez le trouver gratuitement sur mon fil Telegram, en français et en anglais. Pour ceux qui voudraient s'épargner de donner des sous à Monsieur Schwab, qui en a bien assez comme cela. Ça n'a rien d'une conspiration. Ensuite, oui, il y a un agenda, et l'agenda qui fait suite au premier, comme vous l'avez dit, c'est pas autre chose que la dictature, une dictature écologiste. C'est-à-dire que le premier volet étant le Covid-19 qui a permis de faire une sorte d'exercice de grandeur nature, de l'obéissance, de la compliance, comme disent les anglo-saxons, de la conformation des populations aux consignes les plus stupides, les plus humiliantes et les plus averses qu'on ait pu leur faire, ils se sont pour l'essentiel conformés à tout cela. Donc, le test étant passé, on peut passer à l'étape 2, au deuxième volet, cette dictature non plus sanitaire mais écologique, qui consistera dans la fusion de 3-4 outils. D'abord, le crédit carbone. Vous aurez un crédit carbone sur votre compte en banque, comme l'a proposé l'éditorialiste de Libération, M. Mouillard, de son pseudo, ça va me revenir, Jules Geoffrin, donc qui propose l'instauration, en fait, et ce qui existe déjà en Suède et ailleurs, il y a des banques qui commencent, même en France, hein, qui commencent à mettre en place, je me demande si ce n'est pas la BNP qui a créé la première carte bleue avec un crédit carbone. Donc, cela se met tout doucement en place. Ensuite, il y aura le crédit social, qui en fait est le développement de cette carte de crédit à d'autres applications, mais vous aurez par exemple l'obligation
de ne pas dépenser plus que votre quota en carbone, soit en chauffage de la maison, dépense en carburant pour votre automobile, ou toute dépense, puisqu'il y a tout un crédit carbone. J'avais remarqué ça il y a des années déjà sur les tickets de la SNCF et des trains. Vous avez mentionné le crédit carbone de la dépense carbone de votre billet de train, ce qui me semblait absurde de mettre cela. D'abord, moi qui suis un militant écologiste depuis maintenant presque 20 ans et qui connais bien les questions environnementales, j'ai toujours trouvé ça aberrant, ce calcul, vous voyez, du crédit carbone. Mais ça n'avait pas d'utilité alors. Ça commence à en avoir une maintenant, puisque chaque produit, chaque service a un crédit carbone, et donc il sera incrémenté dans votre crédit social à vous. Ensuite, Donc, il y aura les CBDC. Pardon. Pardon, pardon. Mais je voulais dire, on pourrait dire que c'est très bien puisque ça nous protège du réchauffement climatique. Oui, réchauffement climatique qui est une nouvelle religion, qui est une religion comme d'autres religions dont on ne peut pas parler sur les réseaux, une religion à mystère. On vous demande de croire sans voir, encore que Greta Thunberg avait le pouvoir magique de voir le CO2 à l'œil nu. Elle a quand même fait cette déclaration, hein, c'est énorme. Enfin, sa mère a fait cette déclaration à la presse. Bon. Il y a donc cette nouvelle religion du réchauffisme anthropique qui est une absurdité. D'abord, premier article de cette fausse religion, le carbone est un polluant, ce qui est faux. Le carbone, c'est la base de toute vie organique. Bon. Ensuite, plus il y a de carbone dans l'atmosphère, plus les plantes prospèrent. Donc, plus il y a aussi d'oxygène, d'une certaine façon, le lendemain au moins. Bon. Ensuite, il n'y a pas de bilan carbone de la planète. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens, ni d'ailleurs de température de la planète. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous mesuriez la température de votre chambre en faisant la moyenne de toute la maison, car, grenier, garage compris. Ça n'a aucun sens. Bon, j'en ai parlé avec un premier de la classe qui est Monsieur Camille Vert. Pour ceux qui veulent creuser cette question, allez voir les travaux de Camille Vert. Il a plusieurs sites internet de réinformation sur la question du réchauffisme anthropique et de ces faux dogmes qu'il a tous démontés un par un. Donc ça, évidemment, ce sera le volet 2, hein. Crédit social, donc d'abord crédit carbone, crédit social, ensuite il y a les CBDC, donc ce sont les monnaies électroniques des banques centrales. Et une fois que l'on aura fusionné crédit social et CBDC, c'est fini. Vous êtes dans la boîte, vous ne pourrez plus en sortir. C'est-à-dire que là, le seul moyen de sortir de cette boîte, ce sera de partir aux marges du monde, en Patagonie ou en Mongolie extérieure, et de cultiver vos patates. Parce que là, vous ne pourrez plus vivre autrement, parce que vous aurez besoin, quand même pour des opérations minimales, d'argent pour certaines transactions. Et donc, il faudra que vous en passiez par les CBDC. Et là, ils peuvent, si vous faites preuve d'un manque de conformité sur le plan idéologique, sur le plan comportemental, sur le plan social, sur le plan ce que vous voulez, ils pourront vous sanctionner. Ils pourront d'abord faire un système d'entrée-sortie, c'est-à-dire ils pourront vous limiter l'accès à certains services et à certains produits. Ensuite, ils pourront même vous l'interdire. Ou alors, ils pourront faire comme dans le très bon et très beau roman futuriste, enfin d'anticipation Globalia de Christophe Ruffin, ils pourront carrément vous déconnecter. Et là, c'est la mort. C'est la réalisation de la prophétie de Saint Jean dans l'Apocalypse, où il écrit que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. En gros, cela revient à mourir de faim. Cette marque de la bête, c'est ce fameux QR code qui commence par les deux grandes barres et le 6, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si c'est la marque de la bête dont parle l'écriture. En tout cas, c'est une marque qui rentre dans le système. Parce que la bête, l'Antéchrist est un homme, mais la bête est plutôt un système. C'est comme ça que la tradition de l'Église, aussi bien catholique qu'orthodoxe, c'est-à-dire, interprète le terme bête. La bête est entendue comme un système enfin, religieux et économico-politique. Et en effet, dans le cadre de la marque de la bête, il y a des travaux préparatoires. Évidemment, le QR code du Covid était, à mon avis, des travaux préparatoires. Et puis, il y a ce produit, enfin, cette chose qui marque tous les produits manufacturés que nous achetons, qui est le signe à la fois du code produit et du code prix de tous les produits. Et vous remarquerez qu'en effet, les barres qui servent à séparer la partie du code qui désigne le produit de la partie qui désigne le prix, ce sont, ils ont choisi un hasard, une coïncidence, le chiffre 6. Et justement, parce que, comment dire, moi je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de me mettre à la place des personnes qui pourraient trouver ça totalement tiré par les cheveux. Alors bon, moi c'est déjà fait,
Mais pour dire, voilà que, pourquoi s'amuserait-il à faire tous ces petits symboles? Le 6 sur le QR, je ne sais pas, le CERN, c'est aussi des 6. Google Chrome, leur symbole, c'est aussi des 6 qui se mettent ensemble, qui s'entremêlent. Pourquoi s'amuser à faire ça, en fait? Alors, je peux donner un exemple dans la ville de Paris, deux exemples, anciens, là, plus anciens que ceux dont on parle actuellement. Il y a la colonne de la Bastille, qui célèbre en fait les 3 jours glorieux de la glorieuse révolution qui a mis fin à la monarchie de juillet, la monarchie de Louis-Philippe. Cette colonne est surmontée d'un ange tenant dans ses mains des chaînes brisées et une étoile posée sur son front. Or, on sait que les révolutionnaires à cette époque, et encore aujourd'hui, affectionnent particulièrement le symbole de Prométhée. C'est-à-dire qu'en fait, ils considéraient le mouvement révolutionnaire comme un mouvement prométhéen, un mouvement à la fois d'émancipation de l'humanité, c'est ce que se propose de faire Prométhée, émanciper l'humanité en lui apportant la technique, le feu de la connaissance, la vraie lumière. Or, nous, les chrétiens, nous interprétons le personnage de Prométhée comme étant un personnage positif dans la mythologie grecque, même s'il a été sanctionné très sévèrement par Zeus, mais c'est quand même un personnage qui est chargé positivement. Il amène la technique et le feu aux hommes. Mais d'un point de vue chrétien, nous en faisons Lucifer. Pour nous, Prométhée, c'est Lucifer. D'ailleurs, les révolutionnaires eux-mêmes reconnaissaient ce parallèle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de révolutionnaires étaient également des occultistes et des lucifériens avoués. Il suffit pour s'en convaincre de lire les travaux de l'excellente revue Politica Hermetica, dans son numéro 10, 11 et 12, je crois, qui traitait de occultisme et politique, occultisme et révolution. Pour répondre à votre question, Xavier, ils affectionnent marquer le territoire de leur symbole. C'est comme un propriétaire de bétail, il marque ses bêtes. C'est comme n'importe quelle société, elle met son empreinte sur son territoire. Elle y met des monuments, des statues commémoratives, voilà, elle y met des symboles. Les hommes sont des êtres de signification, donc, et eux ne font pas exception, donc ils marquent le territoire. Un autre exemple, si vous allez sur l'hôtel de ville de Paris, sur la place de Grève devant l'hôtel de ville, vous verrez sur la droite, près de l'hôtel de ville, comment on pourrait appeler ça, une sorte de pavage, un dessin pavé à même le sol, qui représente un bateau rustique, enfin très très ancien. C'est le premier dessin des blasons de Paris, du blason de Paris, c'est-à-dire un bât avec des haubans et un mât au milieu. Vraiment dans sa forme très très sobre, avec écrit évidemment la devise parisienne Fluat nec mergitur, il navigue mais ne coule pas. Sauf que quand vous regardez de l'autre côté, ce n'est plus un bateau dans un dessin très schématique, très rustique, très ancien, ça devient une menorah, c'est-à-dire un chandelier à 7 branches. Et c'est toujours le même principe de la lettre volée, cachée en pleine lumière. Toujours le même principe, c'est-à-dire que c'est sous votre nez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Selon moi, c'est la raison pour laquelle il marque l'espace, les marques, les gens, les vêtements, les spectacles, les musiques de leur symbole, parce que tout ça leur appartient. Après tout, leur maître, leur père, le père du mensonge, qui est leur père, est le prince de ce monde. On peut aussi penser à l'investiture d'Emmanuel Macron derrière la pyramide du Louvre, qui est, il me semble, un joli symbole ma maçonnique et assez clair. Oui, en plus qu'il met ses bras en V, c'est-à-dire qu'il trace carrément le symbole maçonnique, c'est-à-dire la rencontre du compas et de l'équerre, qui elle-même n'est que le déguisement à peine voilé en fait de l'étoile de Rainfan, que les gens connaissent malheureusement dans la culture populaire sous le nom d'étoile de David, mais qui n'est pas le sceau de Salomon, qui est l'étoile de David. Enfin, qui n'est pas, Ouais. j'en refais, qui n'est pas le sceau de Salomon ni l'étoile de David, qui est l'étoile de Rainfan, c'est-à-dire l'étoile de Saturne, du faux dieu de ces gens qui est Saturne, qui est le dieu de l'occulte, qui est le dieu de la connaissance. Le troisième volet, c'est la technique, la technologie. Et dans votre discussion, Nicolas Faure a dit justement que
ce que voulait le Moyen-Orient, enfin en gros le tiers-monde, c'était la technique et donc les libertés, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas entièrement tort. C'est toujours pareil. Ce n'est pas parce qu'il a raison sur un fait qu'il a raison quant à sa thèse. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il avance est établi. Est-ce qu'il y a des gens au Moyen-Orient ou au Tiers-Monde qui désirent un mode de vie à l'occidental? C'est très certain. D'ailleurs, pour l'essentiel du Tiers-Monde, c'est déjà fait. Toute l'Amérique du Sud, une bonne moitié du monde arabe, une très très grosse partie de l'Asie a déjà accès assez largement à toutes les commodités et aux nuisances de la vie moderne. Donc en fait, ce projet est déjà réalisé. Mais ce n'est pas parce que les gens désirent plus de confort, ce qui est bien normal. Moi aussi, je passe du temps à améliorer mon domicile pour qu'il soit plus confortable. C'est humain. Enfin, en tout cas, c'est européen. Les Européens cherchent toujours à réduire leur peine et augmenter leur plaisir. C'est normal. Mais c'est normal en tout cas pour un être civilisé. C'est le propre de la civilisation. Le propre de la civilisation, c'est justement l'industrie, comme diraient les hommes des Lumières. Les arts et industries dont ils ont fait une encyclopédie. Voilà. D'accord, de ça, on est d'accord. Moi, ce que j'interroge, ce n'est pas ça. C'est est-ce que, premièrement, les sociétés iraniennes, musulmanes, plus largement, c'est-à-dire dans l'ensemble du monde arabe, et plus largement encore dans l'ensemble du monde musulman, est-ce qu'elles souhaitent vivre de notre vie à nous, d'Européens, occidentaux, décadents? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les parents aient envie que leurs enfants les interrogent sur leur genre ou qu'ils affirment être d'un autre genre. Enfin, qu'ils affirment être d'un genre, en fait, puisque les gens n'ont pas de genre, ils ont juste un sexe. Mais vous voyez ce que je veux dire, Xavier? Je ne pense pas que le monde arabo-musulman désire la libéralisation de toutes les formes de perversion que l'on appelle la culture LGBTQIM+. Je ne pense pas que ce soit le souhait de l'essentiel des populations, ni en Asie, ni dans le Moyen-Orient arabo-musulman. Et j'inclus là-dedans, pardonnez-moi, je dis arabo-musulman, je sais qu'ils ne sont pas arabes, mais la Turquie, l'Iran, voilà. Et l'ensemble même de ce qu'il peut y avoir de civilisé en Afrique, je veux dire en Afrique du Nord, je n'ai pas l'impression qu'ils aient ça comme aspiration non plus. Est-ce qu'ils veulent plus de chauffage, plus d'eau courante, plus de tramway, plus de voitures? Ben évidemment, oui. Qui conteste cela? Personne. Et la deuxième question que moi je pose à Nicolas Faure, à laquelle il n'a toujours pas répondu, c'est la liberté, pourquoi faire? Parce qu'en réalité, c'est la question que pose Georges Bernanos dans son très bel essai de 48, la liberté 45. La liberté, pourquoi faire? En effet, on veut la liberté, mais pour en faire quoi? Et or, comme nous l'enseigne la philosophie thomiste, comme nous l'enseigne la philosophie gréco-chrétienne, c'est-à-dire depuis Thomas d'Aquin jusqu'à ses lointains maîtres Aristote, Platon et Socrate, qu'est-ce que cette longue filiation de la philosophie européenne jusqu'à nos rives, parce qu'on a eu cette longue tradition a été poursuivie par Marcel de Korte, après Charles Maurras, et elle est poursuivie encore aujourd'hui par des contemporains comme E. Michael Jones ou Philippe Champion. Qu'est-ce que cette longue tradition philosophique nous apprend? Mais qu'il y a deux façons d'envisager la liberté. Il y a la liberté des libéraux, dont d'ailleurs Nicolas Faure, j'apprends ça cette semaine, veut réhabiliter l'expression. Il veut réhabiliter l'expression libérale. Il veut qu'à droite, le mot libéral retrouve la faveur qu'il avait dans les années 2000, 90-2000, ce qui est probablement scandaleux, parce que nous avons mis presque 15 ou 20 ans à nous débarrasser de cette analyse positive des idées libérales pour qu'il revienne avec ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on nous apprend de dire? Cette liberté des libéraux, c'est la liberté axiologiquement neutre. C'est-à-dire la liberté de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, en réalité, en pratique, la réalité de faire tout et n'importe quoi, comme le montre le siècle. Nous nous proposons plutôt la liberté des anciens, qui a toujours été considérée comme étant une liberté qui est au bout du processus d'éducation, d'humanisation, d'hominisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme le disait un ami abbé, un prêtre, il me disait, les enfants sont comme des petits animaux. Et en fait, tout le processus d'éducation consiste à les élever au statut d'homme, c'est-à-dire leur apprendre, comme disait Albert Camus, qu'un homme, ça s'empêche. C'est-à-dire essentiellement qu'un homme, ça doit trouver ses limites,
ça doit trouver son frein. Parce que sans frein, eh ben en fait, il n'y a pas de réalisation possible. C'est ça que je voudrais faire comprendre. Et Nicolas n'a pas l'air de comprendre. Il est complètement fasciné par la puissance, par la toute-puissance prométhéenne de la technique occidentale. Ce que je peux comprendre. Mais ce dont il n'a pas l'air de s'apercevoir, c'est qu'en fait, pour chaque invention et pour chaque aspect positif nouveau, si vous voulez, qui est ajouté, il y a au moins une nuisance, voire plusieurs. Je vais donner seul exemple. Je vais donner un seul exemple pour que tout le monde voit de quoi je parle. Moi, j'ai connu le monde d'avant le téléphone portable. Alors, je sais que ça insupporte les zoomers et la génération alpha, les Z, aussi bien que les 2000. Mais excusez-moi, oui, je deviens moi aussi, comme tous mes aînés, un vieux con. Mais dans le monde d'avant le téléphone portable, par exemple, lorsqu'on donnait un rendez-vous, on allait à son rendez-vous et on attendait. Quand les gens étaient en retard, on les attendait. On ne fixait pas un rendez-vous pour ensuite changer une fois, deux fois, dix fois l'heure et le lieu du rendez-vous. C'est insupportable. Et en fait, cela dégrade l'anthropologie parce qu'en fait, les gens perdent jusqu'à la notion même de parole. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de parole. J'ai remarqué aussi, j'ai discuté de ça avec des professionnels de la route, que les gens ont perdu le sens de ce qui les entoure, du fait qu'ils sont dans leur bulle téléphonique. Mais même lorsqu'ils n'y sont pas, il y a une sorte de coupure progressive qui se fait avec leur environnement immédiat. Et donc, en fait, ils ne vivent pas dans leur... Ils n'habitent pas leur basket de la même manière que ma génération. Et nous sommes encore attentifs à ce qui nous entoure. Et je remarque une dégradation dans l'attention aux autres. Il y a cette raison, mais il y en a d'autres hein, qui se combinent, se conjuguent et s'additionnent, évidemment. Mais je voudrais donner un dernier exemple. Avant le téléphone portable, déjà, il y a eu le Walkman. Moi, toute ma génération a passé sa jeunesse avec des Walkman sur les oreilles. Mais c'est pareil, c'est une façon de se couper du reste. Et je remarquais qu'ils étaient moins attentifs également de ce seul fait à ce qui les entourait, en particulier à ce qui se passait lors des cours. Alors, moi, je n'étais pas un élève modèle, mais j'étais attentif en cours parce que je n'avais pas dégradé ma capacité d'attention par le fait de mettre constamment du bruit dans mes oreilles, parce que ce n'est pas autre chose que du bruit. La musique qu'on a proposée à notre génération n'était pas autre chose que du bruit. Voilà, je donne deux exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini. Et je sais que Nicolas Faure ne conteste pas cela. Il ne le conteste pas, il dit oui, ça existe. Mais, il y a toujours un mais. Mais moi, j'ai envie de m'arrêter à cela et de dire, est-ce qu'il est possible de continuer de faire une humanité française, une humanité européenne, aux conditions à peu près normales? Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est souhaitable ou non? Et à quelles conditions cela est-il possible? La condition, c'est évidemment une certaine rupture avec les linéaments de l'époque. Et en fait, là, je pense qu'on mettra tout le monde d'accord. Nul ne peut s'extraire de son époque. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un conservateur, mais un réactionnaire. Parce qu'en fait, on est de son époque. Je ne suis pas un nostalgique, c'est ça que je veux dire. On est profondément de son époque. En revanche, avec les principes vrais, on peut tout refaire à neuf. Si vous prenez un enfant, que vous lui apprenez le grec et le latin dès la petite enfance, vous allez refaire un humaniste, au moins dans la disponibilité qu'il a de cet outil de parler le grec et le latin. Donc en fait, on peut refaire ça. Il faut se rendre compte que l'université, les gens publiaient leurs thèses en latin jusque dans les années 50. Est-ce que vous imaginez le simple retour? C'est pas si loin les années 50. Et on renouerait avec l'histoire académique de l'Europe, c'est-à-dire du monde civilisé, et si on redemandait aux doctorants de rédiger leur thèse en latin. Et donc, on reconnecterait l'ensemble du monde civilisé, une fois encore, avec cette simple mesure. Voilà, ça, c'est une mesure authentiquement réactionnaire, au sens de refaire à neuf ce qui fonctionne, ce que l'expérience des siècles nous a montré fonctionner. Ce que nous proposent les libéraux occidentalistes, c'est d'aller au bout de l'expérimentation anthropologique sur nos propres enfants, quand on en a, parce que ça, c'est un autre sujet, c'est la grande stérilité de tout ce milieu, grande stérilité, je veux dire, au sens littéral, la grande infécondité de ce milieu, de trentenaires sans enfants, sans profession, ce qui a conduit ici et là des commentaires très amers, par exemple de Laurent Ozon, ou des réponses de Nicolas Faure à Laurent Ozon, mais malheureusement, je sais que ces constats sont amers et difficiles à avaler, mais ils sont vrais. Sans être trop sévère, je l'ai été très, très sévère sur mon fil Telegram, sans être trop sévère avec la petite Thaïs des Suifons,
On l'invite à parler dans des conférences, des colloques, etc. C'est très sympathique. Je sais que les troupes ont besoin de réconfort. Je veux dire, de se projeter, de voir du beau, d'une belle jeune fille qui est pleine d'enthousiasme, etc. Je ne dis pas que c'est inutile. Elle a peut-être sa place à la tribune. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est invitée, elle, et qu'en fait, il y a assez peu de substance autour. Et qu'en réalité, comment dire, cela sans être trop sévère, cette jeune fille gagnerait et ferait gagner au combat de devenir une tradwife exemplaire et de parler de son expérience de mère et de femme et de militante. Parce que je crois que les femmes ont une place dans le militantisme. Elles ont une place, mais elles ont une place à elles. Et je ne dis pas que ce n'est que faire des enfants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas que cela. Mais je pense que c'est un travail absolument essentiel. Et on est loin du compte. Pour revenir à mon histoire sur la réaction et qu'il est possible de toujours refaire à neuf, pour refaire encore faut-il avoir des principes. Or, cette nouvelle droite, cette pseudo-nouvelle droite, malheureusement, n'a pas de principes. Et elle n'a pas de formation et elle n'a pas de modèle. J'en ai terminé là-dessus. Que deviennent nos maîtres? Que devient Solzhenitsyn dans un monde qui valorise, dans un monde militant, dans un monde d'action métapolitique qui valorise le téléphone portable, la fusée à réaction, la Tesla, ou je ne sais quoi, quelle nouvelle invention, ou le dernier réseau asocial à la mode. Que devient Solzhenitsyn? Que devient la vie intérieure? On parle d'Bernanos et dont il nous dit que la vie moderne est une conspiration constante contre toute forme de vie intérieure. Que devient l'essentiel de ce pourquoi nous nous battons, c'est-à-dire nos principes, justement, nos principes anagogiques, c'est-à-dire nos principes qui nous élèvent, les principes qui nous élèvent. Non, à cela, on nous oppose un modèle assez brutal, qui est en fait biologique pour la politique et technicien pour le reste. Je suis désolé, moi je suis un vrai militant de droite avec un D majuscule. Pour moi, ça, ce n'est pas la droite, c'est autre chose. Ce sont des libéraux xénophobes et progressistes. Mais en revanche, laissez-nous le mot droite. Faites ce que vous voulez, faites continuer votre militantisme anti-immigré, mais faites-le à gauche. Il n'est pas impossible d'être de gauche et être très hostile à l'immigration. Il n'est même pas impossible d'être de gauche, d'être racialiste, progressiste, technicien et hostile à l'immigration. On peut être un honorable militant de gauche, progressiste, technicien et anti-immigré. Mais de grâce, laissez-nous, s'il vous plaît, nos syntagmes, nos mots d'ordre, nos concepts, nos principes de droite, pour faire simple. Laissez la droite tranquille, continuez votre travail, mais assumez ce que vous êtes, c'est-à-dire des gauchistes, progressistes. Xénophobe, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Vous redeviendriez des alliés à ces conditions. Tu vois ce que je veux dire, Xavier? À ces conditions, toute cette mouvance redeviendrait des alliés parce que nous serions alliés sur un sujet, la question migratoire. Mais nous cesserions donc de nous disputer sur le monopole ou l'oligopole à constituer sur comment dirais-je, oui, le monopole des idées, pour faire ça, à droite. Oui, donc bon, y a beaucoup de choses. Bon, premièrement, sur le fait d'être de parole, ça c'est très camusien aussi. Je pense que, je ne sais pas si vous avez lu quelques passages de Renaud Camus, mais Renaud Camus aussi fait partie de l'ancien temps, si j'ose dire, c'est-à-dire des hommes qui étaient de parole, dans laquelle les mots s'inscrivent et ce ne sont pas des paroles en l'air où on dit oui, je viendrai et on ne vient jamais. Et l'autre chose, moi je pense justement que la technique, elle détruit tout sur son passage. La preuve avec cette entrevue, on ne peut même pas se voir, on ne peut même pas se serrer la main. Bon, vous me direz que ce n'est peut-être pas le drame, mais c'est-à-dire que la première fois qu'on se rencontre, c'est-à-dire que on se voit à travers un écran. Donc évidemment, ça permet de se voir, si j'ose dire, à des milliers de kilomètres, mais on perd toute chaleur humaine et toute réelle interaction. Même chose pour la séduction. Maintenant, séduire, si vous le faites dans la rue, vous êtes un harceleur. Et il faut le faire sur un écran de téléphone et swiper à gauche, à droite, en fonction de la tronche qu'on a, alors qu'il me semble que les rapports humains, c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, sur la stérilité des gens de droite, ça c'est quelque chose dont je parle souvent avec mon ami du président de Civitas Suisse. Parce que moi, je soutiens évidemment Civitas à presque tous égards. Mais le problème, c'est que je remarque en effet que, et moi le premier, hein, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que tous ces militants dont je fais partie, mais moi je m'inscris plutôt dans votre droite, c'est-à-dire la vraie droite, on défend la lignée, la verticalité, l'héritage, la famille et la tradition avec un grand T.
Mais personne n'a d'enfant, et puis personne n'aura d'héritage, et personne n'a de lignée. C'est ce qui fait qu'il y a une incohérence, je trouve, entre des fois le discours que je peux avoir, alors que moi, je ne le fais pas pour moi-même. Ça, c'est sûr. Et ensuite, je suis d'accord pour Donc, Thaïs merci de faire, d'Escuffon. merci. Je vous remercie en tout cas pour votre travail pour les enfants des autres. Parce qu'on a besoin quand même de, vous voyez, de toutes les générations entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas encore. On a besoin de toute cette énergie créatrice pour faire le boulot pour nos enfants qui sont trop petits pour nous seconder. Donc je suis content de vous compter à bord de ce combat. Mais en effet, je pense qu'il est très important, très 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 important, de remettre en fait l'église au milieu du village. Notre combat, j'y viendrai plus tard, mais lors d'autres interventions, mais notre combat consiste essentiellement désormais que les espérances politiques sont pour ainsi dire foreclose dans la génération. Les enfants ne sont pas des soldats, mais nous avons besoin de faire des familles nombreuses et généreuses. Tout à fait. Justement, sur ce féministe de droite, c'est quelque chose que j'ai aussi en tête depuis longtemps. C'est vrai que ça me fait sourire. C'est-à-dire que je pense que des personnes comme, enfin des femmes comme Virginie Votat sont l'exemple à suivre, en tout cas pour une femme de nos jours, et peut-être le discours qu'elle doit mettre en avant et qu'elle doit prôner, et pas un féminisme militant, identitaire, comme le collectif Némésis. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de personnel. Elles ont fait un grand combat, ça a permis de mettre en lumière certaines choses. Mais je pense que dès que les médias en parlent, on a déjà un temps de retard. Laurent Berton a écrit il y a 12 ans ou 15 ans La France Orange Mécanique. On en parle maintenant, on a l'impression que c'est une victoire. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une victoire. Je pense au contraire que dès que les médias en parlent, c'est qu'on est déjà, on a déjà perdu et que le sujet est ailleurs. Alors, très certainement, pour vous répondre un peu sur Renaud Camus et sur le reste, je m'étonne là aussi que Renaud Camus, si vous voulez, soit cité comme une référence dans nos milieux, alors que on va dire, il est le parangon de la défense de l'identité, alors même qu'il n'est pas en situation de se reproduire, parce qu'il a des mœurs italiennes particulièrement dégénérées. Donc, si vous voulez, là aussi, je vois une difficulté. Je pense que sans être trop dur avec les uns ou les autres, il faut quand même à un moment donné se choisir les modèles et les maîtres que mérite notre combat. Voilà, je pense que c'est aussi parce que nous avons de très mauvais bergers que les combats ne sont pas menés correctement. Comment aller au bout en fait? Comment aller au bout de la cohérence à partir du moment où celui qui met le doigt sur la contradiction est lui-même dans l'impossibilité de se reproduire? De la même manière, je pense à quelqu'un comme Brigitte Bardot, sympathique par ailleurs, même si elle pourrait être défaut. Ma Virginie, bon, eh bien, elle a fait beaucoup de mal au combat en fait qu'elle a mené. D'abord en disant qu'elle n'a mené aucun combat parce qu'elle n'avait aucun ennemi, pour commencer. Ensuite parce que c'est une femme APD, tout Paris le sait, puisque son mari est une folle tordue, et je veux dire, elle mène le combat pour la famille alors que sa famille est une famille cassée, quoi. Merci, Vous stop. parlez de qui? Brigitte Bardot. Bon, Qui a mené concernant la Camus, Belgique. je vais quand même défendre. Lui, il est, évidemment, il défend la lignée et l'héritage, etc. Mais lui est contre la croissance. C'est-à-dire que il dit, il écrit, il n'y a jamais eu autant de Français en France. Donc sans compter les naturalisés, etc. Vraiment au niveau du nombre de Français sur le territoire. Et il considère ça comme une nuisance, comme une nuisance. Et l'idée, c'est d'être moins, en tout cas, sur le territoire. Et évidemment, la remigration qui ferait encore que nous serions moins. Alors sur ce point, Xavier, à la rigueur, je pourrais tomber d'accord, c'est-à-dire que sous Louis XIV, les Français étaient 20 millions et la France était le premier pays du monde civilisé. Sous Pétain, ils étaient 40 millions, c'était déjà bien assez. En fait, on n'a pas besoin, moi je n'ai jamais cru dans la natalité puissance, si je ne crois pas à cette idée qu'il faut toujours être plus nombreux. C'est d'ailleurs une des raisons qui conduit la France à recruter des tirailleurs dans toutes les disciplines. Football comme ailleurs, en médecine, puisque tous les hôpitaux français sont remplis de médecins africains, maghrébins, moyen-orientaux, etc., pour ne pas avoir à en former. Donc en fait, la France a fait le choix d'externaliser ses ressources dans beaucoup de sujets pour ne pas avoir à s'occuper d'elle-même, en fait, pour ne pas avoir à optimiser les ressources à l'interne, ce qui est un choix, à mon avis, absolument catastrophique. Donc là-dessus, je pourrais à la rigueur me suivre et suivre Camus
sur la question du fait qu'on n'a pas besoin d'être 70 millions ou 75 millions pour être puissant. Ça, j'en conviens volontiers. Je pense d'ailleurs qu'il faut que la France renonce d'une certaine manière à sa puissance, à ses volontés de puissance. Je crois qu'il faut qu'elle renonce à sa volonté de puissance pour retrouver le sens de ses limites, le sens de sa propre définition. Être français, c'est une manière tout à fait particulière d'être au monde. Il suffit de quitter la France pour s'en apercevoir. La France a l'impression qu'elle est une nation monde. C'est faux. Être française, c'est habiter un coin très spécial de l'univers. Il faut qu'elle redécouvre à la fois sa limite et qu'elle renonce à sa boulimie de puissance pour prendre un modèle, à mon avis, sur des pays comme la Norvège ou le Pérou, qui sont des la pays Suisse. Qui n'ont pas, ou la Suisse, absolument, qui n'ont pas l'ambition de conquérir le monde entier, mais qui comptent dans le concert des nations. Je veux dire, la Suisse, comme la Suède, avait une façon particulière d'être au monde, d'être à la fois dans la neutralité, d'être impartial, il y a la qualité suisse, etc. C'est connu. Les Suédois, un peu différemment, mais aussi, vous voyez, ils avaient une diplomatie à eux. La Norvège n'est pas un pays puissance. Pourtant, c'est une puissance européenne. Personne, et surtout, c'est un pays souverain. Personne ne dit à la Norvège ce qu'elle doit faire. Personne. Parce qu'elle n'appartient, pour ainsi dire, à aucune instance supranationale qui dicte ses politiques au gouvernement norvégien. Et donc, la Norvège, en plus disposant d'importantes ressources hydrocarbures, eh bien, elle est souveraine. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être troisième du tableau. Il n'y a pas besoin. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, je pense qu'on pourrait parler aussi de la droite, visiblement, parce que vous l'avez quand même pas mal critiqué précédemment. Parce que moi, je vous ai découvert justement sur Radio Courtoisie, dans une discussion avec Adrien Abosi, sur qu'est-ce qu'être de droite. Alors, je vous repose la question, qu'est-ce qu'être de droite de nos jours ? Parce que selon Conversano, je lui ai posé la même question, il m'a dit « être de droite, c'est être identitaire, être de gauche, c'est être antiraciste ». Quelle critique avez-vous à faire de ça ? Bah, je ne crois pas, non. Je pense qu'on peut être parfaitement xénophobe et être de gauche. Je vais vous donner quelques exemples. Le régime, avant qu'il ne gagne la révolution, le parti Viet Minh, c'est-à-dire le parti communiste clandestin du Vietnam, qui fait une guerre anti-française d'abord, puis une guerre anti-américaine, mène en même temps une guerre de conquête contre les gens du Sud, puisque ce sont les Vietnamiens du Nord contre les Vietnamiens du Sud, mais également une guerre raciale, puisque ce sera une guerre des Vietnamiens ethniques contre les Chinois et contre les minorités style Hmong. Donc on peut parfaitement être raciste, disons les choses comme ça, et être de gauche. C'est pas du tout impossible. C'est un exemple, mais il y en aurait d'autres. Je pense que le FLN algérien était assez largement socialiste, et pourtant, il était également xénophobe. Il arrivait à faire la différence entre ce qu'il appelait les Européens, les Algériens musulmans, etc. Musulmans ici entendus non pas comme religion, mais comme affiliation ethnique. Non, je ne crois pas que ce soit ça, être de droite. Être de droite, en fait, c'est profondément, je dirais, trois choses. C'est la conscience claire qu'il y a plus que nous. Donc, si vous voulez, vous pouvez traduire ça historiquement ou culturellement par le fait, par exemple, de croire dans la transcendance, qu'elle soit chrétienne, le moteur immobile d'Aristote. Enfin, voilà, l'idée qu'il y a, en fait, des choses qui sont extérieures à nous, qui sont plus grandes que nous. Ou qui sont en nous, d'ailleurs. Qui peuvent être en nous et qui sont plus grandes que nous. Nos amis païens disent, par exemple, « plus est en nous ». Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, selon moi, c'est l'idée de l'essentialisme. C'est-à-dire que nous croyons à la permanence des définitions. Un homme, c'est un homme. Papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Hein, ça, c'était la manif pour tous. Un papa, un maman, une maman pour faire un bébé. C'est l'essentialisme. C'est un Français, c'est un Français. Ou alors, et c'est l'anti. Et donc, c'est par définition l'anti-abstractionnisme de gauche. L'anti-cosmopolitisme, l'anti-universalisme abstrait de gauche. Par exemple, Joseph de Metz nous dit « Moi, les hommes, je ne connais pas. L'homme, je ne connais pas. Je ne connais que des Français, des Russes, des Suisses, des Savoyards. Je ne connais pas l'homme. » Donc, en fait, c'est la croyance dans la permanence des essences, des définitions. Donc, en fait, c'est une ontologie. Être de droite, c'est une métaphysique. Une ontologie, c'est-à-dire une science de l'être, et enfin, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, l'organe qui définit la droite, c'est le sexe. Et l'organe qui définirait la gauche, c'est le ventre. Parce qu'en fait, la gauche est profondément matérialiste, parce qu'elle n'a pas de métaphysique, comme on l'a dit tout à l'heure.
elle est profondément mouvementiste et non essentialiste, c'est-à-dire qu'elle croit aussi bien au mouvement de l'histoire pour améliorer la situation de l'homme, la révolution, l'idée de la révolution, l'histoire, la présence de l'importance de l'histoire dans la pensée de Hegel ou de Marx. Elle ne croit pas dans les essences, puisqu'elle croit également, donc elle croit qu'on peut changer la situation économico-politique, elle croit également qu'on peut changer de sexe, enfin de genre, quoi, comme elle dit. Donc elle est profondément non essentialiste, elle est progressiste, et donc elle est également cosmopolite et abstractionniste, universaliste abstrait. Elle a tendance à universaliser et à abstraire des conditions concrètes d'existence. Donc, si l'on cumule, et surtout, elle est matérialiste. Elle est matérialiste. Elle valorise plutôt la matière que les formes. Donc, elle va par exemple pencher du côté la lutte politique, ça va être obtenir une prime de Noël, obtenir de l'argent, obtenir des choses très très concrètes. Alors que l'homme politique de droite va être plutôt préoccupé de du devenir, du destin commun dans l'universel que représente la nation. Raison pour laquelle l'idée centrale, les trois grandes idées de la droite, c'est Dieu, patrie, famille. Alors que l'idée essentielle de la gauche, c'est, on pourrait dire, ni Dieu ni maître, et vive la sociale, c'est-à-dire envoyer le shekel. Donc en fait, toute personne, alors, et entre les deux, il y a toutes les nuances. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple être, du fait que vous avez deux yeux, à la différence de moi, vous avez deux yeux, vous voyez l'immigration de vos deux yeux, elle vous est insupportable, donc vous êtes, ça ne fait pas de vous un homme de droite. Ouvrir les yeux sur le caractère absolument invivable de l'immigration de remplacement génocidaire ne fait pas de vous un homme de droite. Ça fait de vous un xénophobe. Entendez que je n'utilise pas cette expression dans un sens disqualifiant ou péjoratif. Je l'utilise dans le sens simplement que vous avez de la détestation, vous n'aimez pas les étrangers. De toute, après, vous mettez là-dedans ce que vous voulez. Vous n'aimez peut-être pas les Marocains, les Algériens, tous les Africains, tous les étrangers, tous les gens qui ne sont pas Suisses, tous les gens qui ne sont pas de votre canton. C'est vous qui mettez ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, ne pas aimer les étrangers, c'est estimer que quelqu'un qui vient d'un autre canton, d'un canton par exemple comme le Tessin, qui est un canton italien, vient dans votre canton francophone prendre votre travail, c'est une façon d'être xénophobe aussi. Bon, quel que soit le niveau d'échelle que vous ayez choisi, que ce soit la race blanche ou le canton, cela ne fait pas de vous un homme de droite. La seule chose que ça fait de vous, c'est que vous avez compris que l'immigration est un problème économique, sécuritaire, symbolique, etc. Il y a plein de sujets. Mais ça ne fait pas de moi un homme de droite. Pour être un homme de droite, il faut avoir tout le logiciel, ou en tout cas l'essentiel du logiciel, et être disposé à changer d'opinion sur les aspects secondaires qu'on n'avait pas identifiés au début, par exemple. Est-ce que quand on est de droite, on est jacobin ou on est fédéraliste ? On est girondin ou jacobin ? A priori, fédéraliste, girondin. Mais il y a des gens qui arrivent dans notre marigot de droite avec l'idée qu'ils ont hérité de leur lecture de Bonaparte ou de je ne sais quoi. Bon, ils ont hérité de cette idée que voilà, il faut un homme fort qui centralise tout, qui contrôle tout depuis en haut. Et là, on s'aperçoit, bon, à l'étude, à la lecture, on va s'apercevoir que cette notion n'est pas viable en fait, et que ça implique 1000 contrôles tatillons qui nous éloignent en fait de l'idée de la droite, qui est aussi l'idée de la liberté au pluriel. Et donc, on va abandonner cet aspect. Mais on peut progressivement se dépolluer de ces idées de gauche, de cette maladie mentale qui est gauchiste. On peut le faire. Mais ne venez pas avec tous vos travers, avec tout votre gauchisme mental, en fait avec votre judaïsme de synthèse, parce qu'en fait le gauchisme c'est une forme de pensée juive à destination des goïms, ne venez pas avec votre judaïsme de synthèse nous casser les pieds et nous expliquer ce que c'est que la droite. Venez avec humilité et dites j'en ai marre des immigrés, mais peut-être j'ai d'autres choses à découvrir. Travaillons ensemble, regardons, examinons toutes ces questions ensemble, il n'y a pas de problème. Mais ce à quoi nous avons affaire là, ce n'est pas l'émergence d'une droite nouvelle. Nous avons affaire à l'émergence de la vieille gauche qui ouvre les yeux sur la question de l'islamisation, de l'immigration de remplacement génocidaire. Ça, ouais. Mais c'est tout à fait autre chose. D'accord, on le voit même avec des gens comme Pierre Cassan de Riposte Exactement. Laïque, qui eux Exactement. Sont totalement contre l'immigration, mais qui sont de profonds laïcards. Et donc là, ça pose aussi la question de
Qu'est-ce que la vraie droite? Mais en effet, je Exactement. Si pense vous que. permettez, juste une toute petite remarque là-dessus, Xavier, parce qu'en fait, tous ces gens se sont choisis des alliés. Par exemple, Pierre Cassin est considéré par Nicolas Faure comme un allié. Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, elle est pour l'avortement, pour la prostitution légalisée, elle est pour la libéralisation totale des pratiques homosexuelles, c'est-à-dire qu'elle n'y voit aucun inconvénient. Moi, j'ai envie de poser la question de la manière dont l'a posé les militants nord-américains au cours des événements organisés par les Koch servateurs autour des frères Koch. Tout ça, je vous renvoie aux travaux de E. Michael Jones et des Groypers, la grande campagne des Groypers qui a eu lieu il y a 18 mois, 2 ans. En quoi promouvoir l'avortement, la libéralisation sexuelle, c'est-à-dire en fait la contraception, les pratiques homosexuelles, va nous permettre de gagner la guerre culturelle? Comment on lutte, c'est une question que je poserai aussi au Rassemblement national, comment on lutte contre le grand remplacement que certains valident, comme le nouveau patron, Jordan Bardella, comment on lutte contre le grand remplacement en acceptant la grande éradication des petits Français qui meurent par paquet de 250 000 par an? Et en fait, les Conversano, les Nicolas Faure, tout l'environnement autour d'Éric Zemmour, ils sont tous pro-avortement, pro-euthanasie parfois. On a entendu Éric Zemmour dire qu'il n'était pas fermé à la question. Et là, on voit que les catholiques sont encore une fois les ouvriers de la 15e heure, les cocus de l'histoire et les cinquièmes roues du carrosse. Parce qu'il va même, Éric Zemmour va accompagner la loi sur l'euthanasie en France sans s'y opposer, c'est sûr. Bon. Donc, ils sont pour l'avortement, pour l'euthanasie, pour l'homosexualité, sous toutes ses formes, je veux dire, LGBTQ, etc. Et en fait, même les républicains nord-américains aux États-Unis ont leur trans. Ils ont Miss MAGA, donc Mademoiselle Make America Great Again, qui est un travelo, enfin un travesti, un transgenre, pardon, c'est-à-dire un homme qui souffre d'une maladie mentale qui le fait croire qu'il est une femme. Et ils valident ça parce que c'est bon pour l'optique, c'est bon pour la présentation au grand public. Et en fait, tout le travail de Nicolas Faure consiste à faire un travail d'optique. Et moi, je dis, arrêtons de travailler sur les optiques, parce qu'en fait, travailler sur l'optique, la manière dont on est perçu par nos adversaires ou par le grand public, consiste essentiellement à se soumettre par avance aux critères de la gauche. Or, il a été un des disciples de Jean-Yves Le Gallou. On aimerait savoir quelle leçon il a tirée de tout ce travail qu'ils ont fait sur la métapolitique, la bataille culturelle, la bataille, etc., la bataille des idées. Alors que ils ne font que travailler sur l'idée de la manière dont on va présenter nos idées. Donc, j'ai envie de leur dire, les gars, arrêtez tout. Nicolas, trouve-toi un métier. Arrête la métapolitique. Tu fais fausse route. Tu vas perdre un temps précieux à tourner en rond, à revalider des idées de gauche dans la droite. Ça sert à rien. Donc, le plus simple, ce serait carrément que Nicolas, en fait, réoriente sa chaîne, reconnaisse qu'il est progressiste, qu'il est favorable à l'avortement, qu'il n'est pas croyant, et qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de l'euthanasie, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de toutes les lois dites sociétales qui sont en cours de préparation pour la France. Moi, je dis très clairement à ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ne sont pas intransigeants sur la question de l'avortement, de l'euthanasie, sur toutes ces questions bioéthiques, enfin d'éthique de la vie, des grands principes qui animent la droite authentique avec un D majuscule, ne sont pas des alliés, ce sont des faux amis. Moi, c'est comme ça que j'interprète la chose. Je suis prêt à en discuter. Là, la difficulté de l'exercice, Xavier, c'est que vous m'interrogez, mais je suis prêt à en débattre avec quelqu'un qui le souhaiterait. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, nous, est-ce que des fois, nous n'allons pas trop loin dans nos réflexions? C'est-à-dire que le grand public, peut-être, ne voit pas les dangers de l'avortement ou de l'euthanasie. Peut-être que pour eux, c'est mourir dans la dignité. Et puis l'autre point, ça serait peut-être, bon bah voilà, j'ai dérapé, et puis bah voilà, je suis obligé d'avorter. Alors évidemment, moi, ce ne sont pas du tout mes idées, mais c'est ce qu'on pourrait aussi vous répondre. C'est-à-dire que c'est un sujet secondaire, et le sujet principal, c'est l'immigration. Alors comment faire changer le curseur et faire en sorte que ces sujets, donc l'euthanasie, l'avortement, redeviennent des sujets centraux? Et puis l'autre point aussi, alors là, on va peut-être aller un peu plus dans le complotisme, ce qui est bien. Moi, je vois clairement une intention, c'est-à-dire que lorsqu'on voit toutes les choses
s'additionner, s'accumuler entre la culture TikTok porno, l'avortement, l'euthanasie, la déchristianisation. Tout est fait pour que l'on devienne des candoles et tout est fait pour que nous restions seuls et que nous soyons dans l'isolement. La société est faite comme ça. Alors, on pourrait aussi vous répondre ça, c'est-à-dire que si on va trop sur la ligne Civitas, on s'isole et au final, on finit seul. Donc, autant être décadent et au moins avoir des enfants. Enfin, c'est pas mon idée, hein, mais comprenez. Ah, j'entends. Alors, première chose, sur la première partie de votre remarque, il n'y a pas besoin d'en faire des sujets centraux. Il faut juste que ce soit des lignes rouges infranchissables qui donnent à voir à ceux qui nous regardent, qui nous soutiennent, quels sont nos vrais principes. C'est-à-dire qu'en réalité, quand la question vient, il faut répondre. Il faut répondre. Je vais vous dire, le cas du marinisme de gauche, c'est-à-dire du gaucho-lepénisme, prouve que j'ai raison. Le gaucho-lepénisme, ça n'existe pas. C'est une invention de la direction du Front National d'il y a quelques années pour expliquer ces virages sur les questions de société, en expliquant qu'il fallait bien, en gros, ne pas trop, comment dirais-je, indisposer un électorat qui arrivait tout droit du Parti communiste de la gauche ou du Parti socialiste dans le Nord, en mettant trop en lumière des sujets sociétaux, etc. Mais en réalité, les gens qui votent Marine Le Pen, qui votaient Jean-Marie Le Pen, je ne suis pas électoraliste, hein, je prends ça comme un exemple. Avant de voter pour le Front National, le Rassemblement National, ils ont passé 5, 10 ou 15 ans dans l'abstention. Donc en fait, quand ils se résolvent enfin à voter pour un parti patriotard, ils se fichent de savoir que Bruno Gollnisch est contre l'avortement et qui ne croit pas exactement à l'existence des chambres à air. Ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens se mettent à voter pour eux, ils ne demandent pas, ils regardent Bruno Gollnisch avec les yeux de Chimène. Ils disent merci de nous recevoir, on est enfin de retour à la maison. Je sais, j'en ai fréquenté par le passé, j'ai rencontré ces gens des classes populaires qui venaient de la gauche. En plus, au fond d'eux, ils sont pas pour l'avortement. Ils sont ni pour ni contre. Ils sont pragmatiques. Évidemment, si une de leurs filles tombe enceinte, et que ça fait partie des solutions pratiques, commodes, ils vont y aller. Moi, je ne suis pas derrière leur dos pour leur faire la main, enfin, pour les empêcher de le faire. Je ne peux pas l'empêcher. Je souhaiterais l'empêcher, mais je ne peux pas l'empêcher. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas là-dedans. C'est des choses qui sont astroturf. Ce sont des logiques qui sont impulsées d'en haut. Pour vous donner un autre exemple, les gens sont pour la peine de mort. Vous auriez demandé aux Français qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort après l'affaire Lola. Mais si on avait fait un sondage, ça passait crème. Même si, et ça je le regrette, mais ça nous amènera à une autre discussion, les gens ont, finalement, l'affaire Lola est passée sur les gens comme l'eau sur les plumes d'un canard. En fait, les gens sont indifférents. Nous, on vit dans un monde à part. On fait de la politique presque tout le temps. On y réfléchit, on lit, je veux dire, votre bibliothèque est fournie, on voit que vous n'êtes pas un normie. C'est pas pour vous flatter que je dis ça, Xavier. Ça se voit que vous n'êtes pas un être normal, vous n'êtes pas un homme ordinaire. Donc, nous, on a un devoir de vérité et de charité. Et la charité, la première des charités, c'est la vérité. Donc, quand le sujet vient, disons ce qu'on a à dire. Et que nos amis occidentalistes nous disent ce qu'ils pensent vraiment de ces sujets. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de l'homosexualité, de l'avortement, etc. Parce que, par exemple, lors du débat entre Benedetti et Conversano, Conversano a laissé entendre, suite aux remarques de Benedetti, qu'en effet, il avait changé de position sur la question de l'avortement. Je rappelle qu'il avait quand même promis un film qui n'a jamais vu le jour. Mais qu'il ait changé d'avis, très bien, grand bien lui fasse, il en a parfaitement la liberté. On a le droit de s'enfoncer dans l'erreur. Mais bon, il ne nous a pas dit ce qu'il pense de l'avortement. Il est pour ou contre? Il est pour. Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux aussi cette remarque de Hervé Ryssen. Moi, je suis ni pour ni contre. En fait, la question qu'il faudrait poser, c'est pour qui? Voilà. En gros, il est pour l'avortement pour certaines catégories de population. Le problème, c'est qu'un principe ne vaut que par son universalité. Un principe ne vaut que par son universalité. Donc, en fait, promouvoir l'avortement, de toute façon, statistiquement, promouvoir l'avortement en France, c'est le promouvoir pour les petites Françaises. D'abord, statistiquement. Pas parce que les Maghrébines sont plus morales, mais d'abord parce qu'il y a de plus grandes résistances. D'abord, sur le plan de la préservation de leur virginité, il y a de plus grandes résistances, ce qui est une bonne chose pour elles, en tout cas, même si elles n'ont rien à faire ici.
et aussi parce qu'il y a de plus grandes résistances à l'avortement dans ces milieux. Même si je ne me fais aucune illusion, je sais que ça avorte aussi à tour de bras dans ces milieux. Mais voilà, nous, nous avons un devoir de vérité. Tenons cette ligne et que les autres nous expliquent quelle est leur ligne, qu'ils sortent de l'ambiguïté. Mais comme vous le savez, Xavier, ils ne sortiront pas de l'ambiguïté parce qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses détriments. Maintenant, on va passer sur un autre sujet qui a beaucoup clivé à droite. C'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine et tous les enjeux qui découlent. Donc, beaucoup voient la Russie comme le pays qui a attaqué l'Ukraine et l'Ukraine comme la victime. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'il fallait évidemment accueillir l'Ukraine dans l'OTAN, même dans l'Union européenne. Enfin, il y avait tout un discours qui s'articulait autour de ça. Et puis que Poutine était un dictateur, et puis que, etc., etc. Vous, quelle est votre analyse et sur quelle est votre ligne? Alors, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que de la même manière qu'en 1999, je me suis engagé en politique contre les guerres de l'OTAN, contre la Serbie, je suis resté fidèle aux garçons que j'étais alors, et je suis toujours contre les guerres de l'OTAN, contre les nations européennes. Quand vous utilisez le mot Ukraine, vous comme tout le monde, hein, je veux dire, quand on emploie le mot Ukraine, le problème c'est que le mot change de sens en fonction de ce à quoi on l'applique. Quand vous dites l'Ukraine ceci, l'Ukraine cela, on parle de quoi? On parle de l'Ukraine entendu comme ensemble national où vivent des Ukrainiens, on parle de l'État ukrainien de Zelensky, on parle de l'Ukraine entendu comme entité géographique, on parle de quoi? Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on parle Ukraine-Russie, etc., le mot change de nature, mais l'étiquette reste la même. Et donc, on ne peut pas dessiner deux choses avec le même mot. Donc, moi, j'utilise le mot Ukraine de Kiev ou Kiev de l'OTAN quand je parle de la Kiev de Zelensky, si vous voulez, l'oligarchie qui joue une sorte d'extraterritorialité, qui tourne ses clips de propagande hors sol. On ne sait même pas si ça se passe en Ukraine, en réalité. Puisqu'on a tous vu passer ces éléments qui montrent que Zelensky, en fait, est resté un acteur et qu'il agit dans un studio de cinéma pour tourner ses clips de mobilisation ou des troupes ou de ses donateurs, de ses bailleurs de fonds. Ma position, elle est très simple. Moi, je suis un nationaliste révolutionnaire. Je suis attaché à l'idée européenne d'une révolution nationaliste en Europe, comme l'est, par exemple, quelqu'un comme Benedetti, comme l'est la revue Militant, etc. Donc, j'ai toujours été très gêné, si vous voulez, par les égoïsmes nationaux. Et donc, j'ai écrit, il y a des années déjà de cela, contre la Russie, par exemple, dans son comportement sur la Géorgie. J'ai dit, on n'écrase pas une mouche avec une bombe atomique. Je disais alors que je suis totalement hostile, et je l'étais déjà à l'époque, au pouvoir géorgien, qui était complètement sorossien, dont la femme de Glucksmann était membre de ce gouvernement. Enfin, tout ça, c'est toujours la même clique, hein. C'est les réseaux trotskistes internationaux, Gene Sharp, Soros, UZ, CIA, etc. C'était en plus dans les années Obama. Donc, évidemment, j'étais très hostile au régime de Géorgie, enfin de Tbilissi. Mais cependant, je disais, écrivant à nos amis russes, et pas à Poutine, que je n'idolâtre pas particulièrement, mais juste aux Russes qui pouvaient me lire, je disais, on n'écrase pas une mouche avec une bombe atomique et vous allez encore une fois intimider tout votre environnement immédiat et les pousser dans les bras de vos pires ennemis. Ça n'a pas raté. Mais évidemment, les Russes, les pro-russes et les Russes me diront « Oui, mais Tbilissi, c'est comme en Ukraine, il y avait des immixtions étrangères. » C'est vrai, il y en avait déjà, puisque c'est le principe même d'une révolution colorée. Donc, au moment de la première révolution colorée, en 2004, j'étais plutôt sceptique. Même si j'ai appris très tôt, parce que j'avais des amis qui étaient reporters, qui étaient sur place, sur le Maïdan déjà, qui me disaient qu'en fait, l'essentiel des types, enfin des manifestants, étaient composés de groupes nationalistes révolutionnaires ukrainiens. De 2004 à 2014, j'ai soutenu les velléités anti-oligarchiques de la révolution des révolutions du Maïdan, parce qu'avant d'être des révolutions anti-russes, elles étaient d'abord et surtout des révolutions anti-oligarchiques. C'est-à-dire qu'elle voulait se débarrasser aussi bien des oligarques orange que des oligarques bleus. Mais le pari, je l'ai écrit noir sur blanc à l'époque. J'ai dit, il y a une chance sur 1 million que des jeunes nationalistes réussissent leur révolution, mais on n'a pas le droit d'insulter l'avenir
Et surtout, c'est leur révolution. Donc, on ne peut que regarder ça de loin et espérer leur victoire. Mes amis réalistes et, ou carrément pessimistes et pro-russes me disaient « C'est impossible, ça n'arrive jamais. » Je voudrais juste rappeler que c'est comme ça que s'est produite la révolution en Hongrie qui a ensuite, plus tard, porté Orban au pouvoir. La révolution s'est faite dans la rue à coups de chaînes de chantier comme ça a commencé au Maïdan en 2014. Donc j'avais des raisons d'espérer qu'il se produirait la même chose. D'autre part, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas faire l'union du continent européen. Quand je dis union, on n'entendait pas union européenne, pas union pan-européenne ou je ne sais quoi. Je parle simplement d'une union politique, entendue multilatérale, la fin de la guerre froide totale et définitive, si vous voulez. Parce que je pense que notre avenir est dans l'Extrême-Orient russe, en Sibérie et ailleurs. Bon. J'ai toujours voulu que cette réconciliation de Paris et de Berlin avec Moscou ne se fasse pas par-dessus la tête ni de Kiev, ni bien sûr des Polonais. Parce qu'on ne fait pas la paix sur le dos des petites et moyennes nations. La France, sa mission historique, c'est d'abord défendre ses intérêts, mais aussi défendre les intérêts des petites et moyennes nations, à commencer par la Pologne, qui est une sorte de France d'Europe centrale. Bon. Donc je souhaitais cette union. Alors aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça, évidemment. Il n'y a que des gens comme Adinolfi ou Arnaud Diogenin qui ont essayé quelques mois, même si aujourd'hui ils prennent complètement parti pour Kiev, qui ont essayé pendant quelques semaines de tenir ce double discours. C'est-à-dire ce discours à double destination. Destination de, en disant, nous, notre rôle, c'est ce que essaie de faire Laurenzon, qui ne sommes pas les mains dedans, on n'a pas les mains dans la poudre, c'est de tenir une position audible, réaliste, conforme aux intérêts de tout le monde, et qui puisse permettre de dépasser les drames horribles qui sont en train de séparer assez définitivement ces deux pays, ces deux peuples frères. Bon. Donc, une fois que cela a été rappelé, je réponds à votre question. Non, ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Ça, évidemment, oui, les Russes ont déplacé des chars et ils sont entrés dans le territoire ukrainien. Les Russes, comme toute puissance régionale, c'est le cas de la France en Afrique, c'est le cas de l'Angleterre dans d'autres points du monde, il y a des puissances régionales qui s'interposent lorsque un pays opprime ses minorités nationales. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Russes en Géorgie. Parce qu'en fait, il faudrait réinterpréter l'ensemble des événements de Géorgie comme étant une opération d'interposition d'une puissance régionale neutre entre une minorité nationale opprimée et son gouvernement central qui cherche à géorgiser ou ukrainiser de force. Ukrainiser par la violence, donc par les bombardements, par le nettoyage ethnique, c'est-à-dire par le fait de chasser les populations sur le territoire russe pour libérer ces territoires et y remettre des Ukrainiens du piémont ukrainien, ou en fait en faire une sorte de, je ne sais pas, de Lebensraum vide, je suppose, parce que les Ukrainiens, l'Ukraine, depuis que Zelensky a commencé cette guerre, perd plusieurs centaines de milliers d'habitants par an. Elle a perdu presque 4 millions d'habitants en 15 ans. C'est considérable. Que fuient ces Ukrainiens? Ils fuient la conscription. Qui sont les seuls qui veulent bien aller se battre dans l'Orient ukrainien, dans les provinces de ce qu'on appelait jadis la Novorossiya? Les nationaux-socialistes et leurs alliés, on va dire. Est-ce que c'est une offense que de dire cela? Non, ce n'est pas offensant. Est-ce qu'ils ont le droit d'être bandéristes? Oui, ils ont le droit d'être bandéristes, je dis ça par parenthèse pour les Russes qui m'écoutent ou les pro-russes qui m'écoutent. Les bandéristes ont surtout attaqué les Polonais qui se sont comportés de manière ignominieuse en Ukraine. Ils ont cru que l'Ukraine était une espèce de prostituée dont on pouvait violer en faisant des allers-retours sur leur territoire. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis un vrai ami de l'Ukraine. Je suis un ami de l'Ukraine, de la Rousse de Kiev. Je suis un ami de l'Ukraine de Anne de Kiev, qui a épousé un roi français. Je suis un ami de l'Ukraine des Cosaques, un ami de l'Ukraine des marins de Kronstadt. Parce que oui, la plupart des marins de Kronstadt qui se sont rebellés contre le pouvoir bolchevique étaient originaires des ports ukrainiens. Je suis un ami de l'Ukraine de Makhno, l'anarchiste antimite. Je suis un ami de l'Ukraine historique. Je suis un ami d'Ukraine de l'Holodomor, dont personne ne parle. Je découvre que l'Union européenne vient de découvrir l'existence de l'Holodomor. Bon. Mais voilà, je suis un ami d'Ukraine, mais je suis aussi un ami de la vérité. Et le problème, c'est que la vérité, depuis le début de ce conflit, se trouve plutôt du côté de Moscou. C'est-à-dire que quand Moscou appelle l'OTAN l'empire du mensonge, il dit vrai. Quand il dit qu'il se mène en Ukraine depuis 2014-2015 une guerre hybride
contre la Russie, une guerre hors limite, une guerre, ce que visiblement ne peuvent pas comprendre ces garçons qui ont passé leur temps à jouer à World of Warcraft ou à des jeux de plateau et qui croient qu'on est en 15, enfin oui, en 1645, là, traité de Westphalie. On a déclaré la guerre par lettre, on a envoyé un courrier, on a déclaré la guerre, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe plus comme ça. On est dans la guerre, dans l'âge de la guerre hors limite. Et donc, en fait, ils voudraient que, comme dans leurs jeux vidéo, les choses se passent entre gentlemen, qu'on envoie des courriers pour déclarer des guerres. Mais ça ne se passe pas comme ça. La guerre n'a pas commencé le 22 février 2022. Elle a commencé en 2015. Alors, est-ce que les Russes sont le parangon de la tradition, etc., que certains nationaux bolcheviques essaient de nous faire croire sur les réseaux sociaux? Absolument pas. La Russie est un pays d'alcooliques, alors qu'elle devrait être un pays chrétien. Voilà, c'est regrettable. Mais ça, c'est malheureusement, c'est 70 ans de communisme qui les a rendus comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour redresser un immense pays de la sorte. Est-ce que je valide les mensonges de la propagande poutinienne sur la grande guerre patriotique? Absolument pas. Je ne suis pas client pour ces mensonges qui font commencer la grande guerre patriotique en 1941 avec l'invasion de la Finlande. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est être du côté de la vérité. Mais je le redis, le problème, c'est que sur ce terrain, les Russes sont beaucoup moins menteurs que les autres. Ils ont annoncé, ils ont rongé leurs freins depuis 1999 et les affaires reprennent au Kosovo. Tous les mensonges que j'entends sur cette guerre en Ukraine, par exemple, quand on dit oui, Poutine a détruit des installations électriques plongeant Kiev dans le noir. Mais que faisait l'OTAN à Belgrade? Est-ce que les enfants des écoles de Belgrade, les infirmières des hôpitaux de Belgrade n'avaient pas le droit et le besoin de s'éclairer pour travailler, pour sauver des vies, pour aller à l'école? Si. Et pourtant, on l'a fait. On a écrasé l'Irak de Saddam Hussein sous plus de bombes qui n'a été jamais lancées dans l'ensemble de l'histoire mondiale. On a tué 500 000 enfants irakiens du seul fait de l'embargo sur les produits des premières nécessités comme le lait ou les crayons, les mines de crayons. Bien, les enfants des écoles irakiennes n'avaient rien ni à se mettre sous la dent, ni de quoi aller à l'école. On en a tué 500 000 et malgré notre... On en a tué beaucoup plus, mais 500 000 reconnus officiellement par Washington, et elle dit que ça valait la peine. Mais qu'est-ce que ces gens ont des leçons à nous donner? Donc moi, je ne reçois de leçons de personne. J'ai milité, j'ai pris de mon temps depuis toutes ces années pour m'opposer à la guerre par tous les moyens que j'ai pu. Alors, ce n'est pas pour recevoir des leçons des néo-cosaques de l'Internet qui ont découvert l'existence d'Azov en 2022. Voilà, pour la faire simple. Et d'autre part, quelle déception! Quelle déception voir des nationaux-socialistes combattre pour Zelensky. Alors, on me dit, oui, mais ce n'est pas pour lui qu'ils combattent. Ah bon? Pour qui, alors? Parce que moi, je me souviens d'une vidéo de combattants kieviens dans le Donbass, au tout début, en 2015-2016, ça devait être à la Noël 2016, et les types étaient dans la boue, comme ça, et ils s'invectivaient entre eux dans la tranchée en disant « Mais bon sang de bois, mais qu'est-ce qu'on fout ici? On devrait être à Kiev en train de botter le cul des oligarques, pour ne pas dire autre chose. » Et ils reprirent évidemment, parce qu'en fait, comme tous les patriotards, comme tous les bonnes poires nationalistes du monde entier, quand il s'agit d'aller faire la guerre à un ennemi désigné par le journal ou par la banque, on est les premiers à y aller. Parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas d'intelligence, de sens commun, il n'y a pas d'intelligence stratégique minimale. Donc on leur dit, parce qu'on leur a lavé le cerveau en disant les Russes sont les ennemis, c'est eux qui ont fait le lot de mort. Alors ce n'est pas les Russes, c'est une autre petite minorité ethnique dont on ne peut pas parler sur Internet. On leur a dit c'est les Russes. Donc ils ont été combattre les Russes. La belle affaire. Ces deux types s'invectivaient, quoi, et même eux-mêmes, ils regrettaient d'être là dans la boue, dans le Donbass, à tuer des innocents, au lieu d'être en train de botter le cul de leurs oligarques de Kiev pour finir cette révolution nationaliste que moi j'appelais de mes voeux, et qui malheureusement n'aura plus jamais lieu. Parce que, et ça je voudrais en finir là-dessus, le pouvoir kievien, la synagogue de Kiev, en envoyant les nationaux-socialistes se faire crever la peau dans le Donbass, elle fait une opération à double intérêt. Elle fait faire la guerre à ses adversaires qu'aucun Ukrainien ordinaire ne veut faire. La preuve, ils fuient partout. Ils ont fui massivement, comme je vous disais, avant le début de la guerre.
et ils auraient continué de fuir s'ils avaient pu. Et en même temps, ils se débarrassent de leurs seuls vrais ennemis dangereux dans le pays, qui pourraient les identifier comme un problème et se débarrasser d'eux, comme d'autres nations européennes se sont débarrassées de ce genre d'élite qu'on fait à la Hongrie. Donc en fait, c'est une opération gagnant-gagnant pour Zelensky, ce qui explique pourquoi un pouvoir complètement cosmopolite, otanesque comme cela, peut collaborer avec des supposés nazis, ou nationaux-socialistes, je préfère, pour les envoyer se faire trouer la peau, évidemment. Évidemment, et ce n'est pas une nouveauté. L'OTAN a employé des militants de droite radicale depuis sa création. On connaît tous l'opération Gladio. Les opérations Stay Behind, de manière générale, employaient les militants d'extrême droite. Et évidemment, le Gladio 1 allait employer les Ukrainiens, et toutes les organisations, bandéristes. Ce qui pour moi n'est pas une injure. Je sais que ça va encore fâcher mes amis russes ou pro-russes, mais pour moi, le bandérisme n'est pas une injure. Pour moi, c'est le moras ukrainien. Et l'Ukraine a le droit à exister comme nation souveraine. Enfin, elle l'avait. Maintenant, ce droit, elle l'a perdu. Elle le perdra dans les champs de bataille du Donbass. Et elle le perdra, vous le verrez, dans les chancelleries, parce que je l'ai écrit tout au début du conflit. Les Hongrois reprendront ce qu'ils jugent comme leur appartenant des territoires ukrainiens. Les Polonais occupent d'ores et déjà les parties qu'ils jugent comme étant polonaises. Et l'Ukraine, pour ainsi dire, n'existe pas comme État indépendant. C'est un État failli. Je le regrette. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un ami de l'Ukraine. Je le regrette. Mais l'Ukraine, à tout vouloir, va tout perdre. Et elle se réduira à Kiev et sa banlieue. Les Polonais, les Suédois, pourquoi les Suédois ? Déambulent avec leurs troupes armées. Il y a des militaires suédois qui déambulent en Ukraine depuis une quinzaine d'années. Librement, l'Ukraine n'existe pas comme État souverain. C'est un État fantoche aux mains de la synagogue de l'OTAN, pour faire simple. Après, quand si la situation change, si les choses changent, j'espère un jour que je pourrai, malgré les propos très durs que je tiens, aller là-bas et y rencontrer les vrais Ukrainiens chers à mon cœur, j'en doute. Il y avait encore un autre point qui a fait pas mal de bruit, c'était ce fameux pipeline qui a visiblement été détruit, soit par les Anglais, soit par les Américains. Et Pierre Hillard avait cité, il y a déjà quelque temps, dans une entrevue, la une The Economist, je crois que c'était en 2014, où, en fait, The Economist annonçait la destruction du pipeline de Poutine. Est-ce que ce genre de choses, vous y croyez ou vous pensez que c'est du complot? Je ne suis pas exégète en couverture de The Economist. Je pense que c'est beaucoup trop hasardeux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est absolument pas un... Je suis toujours curieux quand on m'envoie ce genre de mèmes, de les regarder, bien sûr, comme tout le monde. Mais je n'accorde pas beaucoup d'importance à ces choses parce que cela suppose en fait une espèce d'intelligence. C'est peut-être ça la vraie. C'est un théâtre. Oui, c'est un théâtre, mais je pense que c'est aussi une illusion que se font certains de nos amis conspirationnistes. Moi, je suis volontiers, je me suis déclaré chez Nicolas Faure de manière provocatrice, turbo-conspirationniste, mais en réalité. Je serais plutôt complotologue en réalité, plutôt un examinateur, un analyste, un spécialiste en conspiration. Mais je n'accorde pas beaucoup de crédit à la capacité prédictive de la lecture des couvertures de The Economist, pour être honnête. Voilà. Après, oui, revenons sur cet épisode du double attentat au pipeline. C'est une guerre déclarée à l'Europe. Ce que je vous disais tout à l'heure, les mots changent de sens. L'Ukraine n'est pas capable de faire, enfin, les troupes ukrainiennes ne sont pas capables de faire ce genre d'opération très très technique. Donc en effet, ce sont les Anglais. Donc ce qui prouve le point que je viens de faire, c'est que l'Ukraine ne peut pas mener ce genre d'opération parce qu'elle n'est pas un État souverain, tout simplement. Et qu'en fait, on mène des opérations terroristes. Peut-être que le scénario s'est mal déroulé, mais on aurait peut-être même, aurait-il voulu faire porter, dans un scénario idéal, faire croire à tout le monde que ce sont les Ukrainiens qui avaient dynamité les pipelines. Évidemment, personne ne peut y croire, parce que tout le monde sait leur état technique, première chose. Et deuxième chose, preuve que c'est un État failli, et preuve aussi que, pour ainsi dire, l'Ukraine n'existe pas comme belligérant. Ce sont des mercenaires ukrainiens
aux mains de l'OTAN. Puisque le commandement est américain, c'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui en reviennent. Le commandement est américain, les armes sont européennes et américaines, je veux dire, les Ukrainiens, c'est juste du manpower, c'est de la chair à canon. Parce que oui, ils ont bien trouvé de la chair à canon. Et ils ne vont pas envoyer les précieux boys ou des Français ou des Anglais. D'ailleurs, je me demande qui irait, parce que moi, je ne crois pas que les Français ou les Anglais aujourd'hui sont en mesure de faire la guerre à qui que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que les Américains ont, et c'est comme ça que l'interprète le patronat allemand, ont déclaré ouvertement cette fois la guerre à l'Europe en détruisant ses pipelines. Et les milieux d'affaires allemands l'ont compris. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt.